Shalom ou bracha. Une halakha concernant une personne qui a des oublis et qui n'a pas un souvenir fort et chaque fois il oublie, comment rattraper justement le souvenir et avoir une bonne mémoire? Il y a beaucoup de personnes qui posent les clés ou le téléphone quelque part et ils le cherchent toute la journée. Il y a beaucoup de personnes, ils ne savent pas où ils ont mis telle et telle chose. Comment renforcer la mémoire et le souvenir? Le Arizal, notre maître, le grand kabbaliste Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, il a donné un très bon conseil qui est répertorié par la suite dans les livres des décisionnaires halakhiques, notamment le Kaf HaHaim et surtout le Rav Hida alav shalom dans ses livres. Il a dit que le matin, c'est de faire, pas bien sûr après la prière, hein, je parle, de faire un œuf au plat. Un œuf au plat sans sel. Ne pas mettre de sel, de s'habituer tous les matins à manger un œuf au plat, d'accord, grillé comme ça dans la poêle, sans sel. Et manger cet œuf. Ou bien de s'habituer tous les matins à boire une petite cuillère d'huile d'olive. Pas trop, petite cuillère à café, d'huile d'olive. Et ça ramène en fait la mémoire. Et bien, Zat Hashem, toujours. Lorsque on écoute ces conseils médicinaux, eh bien, il faut savoir que il faut toujours ajouter Rofe kol basar ou mafli la hasot. Il faut dire merci à Kadosh Baruch Hu, toi qui mets toutes les propriétés de guérison et de santé pour la mémoire, pour le corps, pour le foie. Tout ce que je mange, il faut que ta parole, il faut que ton sourire Hachem accompagne cette nourriture. Toujours, toujours, ne jamais oublier Sim refu'a ba'ochel hazé. Sim refu'a ba'refu'a azot. Je traduis, pose, mets la guérison dans cette nourriture. Mets la guérison dans ce médicament. Parce que sans lui, à Kadosh Baruch Hu, on ne peut à rien. C'est lui le grand médecin et c'est lui le grand faiseur de bien à l'homme qu'il a créé. Kol Tov, tout le bonheur pour vous. Merci.